content d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous allons aller dans le psaume 99 et nous allons lire les 9 premiers versets pour certains et les 9 derniers versets pour certains. Alléluia. Alléluia. Psaume 99, si vous l'avez, vous pouvez dire amen. Amen. Sinon, vous pouvez arriver aussi à l'écran. Il est écrit, l'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée, ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exauça, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. Mais tu les as punis de leur faute. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Pouvons-nous louer le Seigneur ce soir, Thank you.
Thank you.
Il faut que tu veilles.
Alléluia. Si tu décris, je vais gagner une âme en 2019, ben, il te reste 2 jours. Si tu, tout ce que tu voulais faire, si tu voulais faire l'herbe 10 kilos en 2019, il te reste 2 jours. Tout ce que tu voulais faire en 2019, il reste seulement 2 jours. Alléluia. Donc, utilise-le au maximum. Donc, ce soir, vous êtes conviés à retourner adorer le Seigneur avec nous dans notre service du soir à partir de 17h, service de 17h30, service de prière et 18h, le service d'adoration commence. Si vous n'avez jamais été à notre service de soir ici à l'Est, ben, c'est la dernière opportunité ce soir. Si vous voulez venir à goûter à cela. Tu sais, moi, je ne sais pas. Si moi, j'étais vous, je vous dirais ceci. On aime le pasteur, n'est-ce pas? Qui aime le pasteur? Regarde un peu ton voisin. Dis, mais pourquoi ne pas lui faire une surprise agréable ce soir? Pourquoi ne pas réunir tous ce soir, juste pour une fois? C'est le dernier service du soir de l'an 2019. Pourquoi ne pas juste les choquer un peu ce soir? Pourquoi ne pas amener quelqu'un ce soir à tout le monde? Juste pour ce soir, juste pour bouleverser un peu. Je vous promets, s'il voit ça, il va commencer à pleurer. Voilà, donc pour le service de ce soir, 17h30, et de lundi à vendredi, ben, cette semaine va être un peu particulière, donc portez attention. Le lundi soir, nous avons étude publique, exploration la parole de Dieu ici. Le mardi soir, nous n'avons pas évangélisation, mais le mardi soir, c'est le 31 décembre, c'est notre service de veille de l'an, c'est notre dernier service de l'an 2019. Nous n'allons pas être ici à l'Est, nous allons être à Saint-Laurent. Toutes nos églises de notre réseau se réunissent ensemble et ça va être le seul service de milieu de semaine. Si planifiez d'être là le jeudi, ben, on n'aura pas service, on sera fermé ce jeudi soir, mais on sera à Saint-Laurent pour 21h30. Que tout le monde dise 21h30. 21h30, c'est le début du service. Mais je vais vous donner juste un petit conseil. Si vous voulez avoir une place, il faut venir tôt parce que c'est vraiment le service le plus achalandé, le plus rempli. Et vous devez être dans le service. Vous devez être dans l'adoration, dans la présence de Dieu pour conclure l'année 2019, si surtout cette année qui a été très défiant. Alors, soyez là tôt si vous voulez avoir une place dans le sanctuaire, si vous voulez avoir une bonne place. Sinon, vous risquez de vous retrouver soit au balcon ou soit même dans la salle de disciples en train de suivre le service à l'écran. Et ça, ce n'est pas du tout agréable. Donc, soyez là tous si vous planifiez d'être là. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'aura pas de service jupéniel. Je ne sais pas s'ils ont un service jupéniel le vendredi, mais on va confirmer ça avec Pasteur Lionel. Et quelle soirée jupénienne, c'était une soirée extraordinaire. Nous remercions tout le monde. Et finalement, la formule était beaucoup, beaucoup meilleure. La nourriture était bonne. Nous avons eu beaucoup de visiteurs. L'évangile a été semé. Je vous dis, nous allons récolter les résultats de ces efforts dans un futur très, très proche. Alléluia. Et donc, voilà. Et nous avons eu beaucoup, beaucoup d'invités. Il y avait au moins 150 personnes environ, je pense 152 personnes au total. Et c'était tout simplement extraordinaire. Alléluia. Et donc, voilà pour cette semaine particulière qui nous amène au mois de janvier, le samedi 4 janvier. Ben, nous retournons
à nos programmes habituels, c'est-à-dire de 19h à 21h, réunion de prière pour les hommes. Tout le monde prie dans les sanctuaires. Et voilà, pour cette semaine, nous avons d'autres annonces un peu plus... nous avons des annonces tristes, des annonces joyeuses. D'abord, nous sommes contents d'annoncer que le frère Aurélien et la sœur Olivia ont eu leur bébé. Maman et bébé sont en santé et le bébé s'appelle Yoela Tania Jomon Ngamou. Alléluia. Et nous sommes contents de voir le Seigneur les bénir avec une autre âme. Alléluia. Et bien sûr, le frère Jean aussi qui a eu son bébé. Jean-Michel, nous sommes contents de voir ça ici aujourd'hui. Alléluia. Et du côté un peu triste, c'est la sœur José qui a perdu son beau-père. Et nous présentons nos condoléances de la part de nos familles et de la part de l'Église entière. Et nous présentons nos condoléances et bien sûr notre nouvelle un peu plus triste qui nous a secoué tous, c'est le décès de la fille de la sœur Solange du Boun au Cameroun. Et nous voulons le garder tous en prière. Apparemment, il serait en retour, en route pour le retour. Et ça ne va pas être un retour facile. Et nous voulons vraiment garder sa famille en prière intense. Amen. Nous devons vraiment prier pour elle tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alléluia. Et le mois de janvier, comme d'habitude, va être le mois de prière. Et nous allons avoir 4 semaines de prière qui vont commencer à partir du dimanche 5 et qui va aller jusqu'au samedi 1er février. Et nous allons commencer à faire un calendrier hebdomadaire. Donc, à chaque semaine, nous allons avoir des activités de prière et de jeûne. Et le mois de janvier est consacré entièrement à la prière, et au jeûne et à la prière. Donc, il n'y aura pas d'activité en tant que tel, toute activité va être dirigée vers la prière. Nous voulons chercher la direction, nous voulons être à l'écoute de la part de l'Éternel pour savoir ce que nous anticipons, ce que nous allons faire, quelle direction nous allons prendre pour l'année 2020. Amen. Alléluia. Donc, pour les différents dirigeants, les différents il n'y aura pas d'activité pour le mois de janvier. Amen. Si ce n'est la prière, amen. Plus de prière, pas de prière, peu de prière, peu de puissance. Et c'est ça, voilà. Je ne pense pas avoir oublié je pense que c'est tout ce qu'on a comme annonce. Et bien sûr, les chartes de lecture, j'ai oublié, les chartes de lecture pour l'année 2020 sont sorties. Et je vais vous rappeler pour ceux qui ne sont pas familiers avec le principe. Chaque année, nous encourageons la lecture de la Bible au complet. Amen. Et laissez-moi vous dire, si tu ne te mets pas des objectifs, tu ne vas pas les atteindre. Il y a un dicton qui dit, si tu ne vises rien, tu vas l'atteindre. Amen. Si tu ne vises rien, tu vas l'atteindre.
Ouais. Enfin, si tu vises rien, c'est ce que je veux dire. Si tu vises rien, tu vas l'atteindre. Il faut viser quelque chose pour l'atteindre. Amen. Tu vises rien, tu atteins rien. Alléluia. Et notre. S'il y a un temps où nous devons vraiment, laissez-moi vraiment prêcher un peu. S'il y a un temps où tu dois lire ta parole, c'est ce jour dans lequel. S'il y a un temps où tu dois être versé dans les Écritures, c'est le temps dans lequel nous vivons. Parce qu'il y a tellement de vents de séduction, tellement de vents de n'importe quoi, que si tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu, laisse-moi te dire, tu vas être séduit et tu vas être trompé. Lis ta parole tous les jours. Nous disons que la Bible, la parole de Dieu, c'est le pain qui est venu du ciel, c'est le pain spirituel. Et nous mangeons chaque jour. Certains d'entre nous, plusieurs fois par jour. Physiquement, je veux dire. Mais spirituellement, nous devons faire autant. Tu dois lire ta parole tous les jours. Tous les jours. Et pour vous aider à faire cela, nous mettons à votre disposition des chartes de lecture. Et ces chartes partent du 1er janvier au 31 décembre. Et si tu suis seulement la charte et que tu lis ce qui est recommandé par jour, tu vas traverser ta Bible dans l'année 2020. Amen. Et donc, il y a des chartes pour enfants. Les enfants, leur lecture est un peu légère. Ils ne vont pas lire toute la Bible au complet. On les épargne de certaines écritures, les chroniques, des choses comme ça. C'est assez pour les nourrir, leur donner une bonne dose de vitamines spirituelles. Amen. Et si vous prenez une charte aujourd'hui, commencez la lecture à partir du 1er janvier. Chaque jour vous cochez, au 31 décembre, vous auriez lu toute votre Bible en entier. Amen. N'est-ce pas quelque chose de bon à faire? Alléluia. Vous avez votre charte comme motivateur. Vous gardez votre charte dans votre Bible. Si vous avez des enfants, prenez une charte pour les enfants. Écrivez leur nom dessus. Mettez ça dans leur Bible. Si votre enfant n'a pas une Bible, il est temps de lui acheter une Bible. Le soir, vous vous asseyez autour de la table. Chacun fait sa lecture, chacun coche. Et vous priez, vous allez dormir. Écoutez, fondez vos familles dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, c'est ça, les chartes de lecture vont être ici en avant. Donc, les chartes pour enfants, c'est écrit enfant dessus. Et à l'arrière, il n'y a pas de bonhomme, il y a juste les logos. Et les chartes pour adultes, il n'y a pas écrit enfant dessus. Bon, les chartes pour adultes, ce sont juste des chartes. Et en arrière, c'est juste comme ça, juste le logo. Alors que les chartes pour enfants, il y a un petit logo de bonhomme en arrière. Voilà. Et les chartes pour enfants, il y a des petits dessins pour attirer les enfants. Si ça prend ça pour que vous lisiez votre Bible, on peut vous trouver un dessin à mettre. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Voilà pour nos annonces aujourd'hui. On va s'élever, ça va être le temps de l'offrir des enfants. Alléluia. Ça, c'est votre dernière, avant-dernière opportunité de donner à l'église. Ici, vous allez encore avoir une chance ce soir. Mais là, c'est votre avant-dernière opportunité. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? A-t-il été bon pour nous? Alléluia.
sœur. Levons la prière. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long des 52 semaines que nous avons passées dans l'église. Éternel Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur éternel, qui a veillé sur nous tout au long de cette année. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, éternel Seigneur Jésus, ta main puissante a été sur nous, Seigneur Jésus. Tu n'as pas permis à ce que la maladie nous emporte ou que la mort nous emporte de quelque manière que ce soit, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci du fond du cœur, éternel Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous ainsi que pour nos familles, Seigneur Jésus. Éternel, les amis, demain nous confions toutes choses encore en ce moment, éternel Seigneur, pour la renouvelle, Seigneur Jésus. Nous savons que tu vas être au contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus. Souviens-toi de chacun d'entre nous, éternel Seigneur Jésus, protège-nous, Seigneur éternel. Mais maintenant, Seigneur Jésus, nous voulons confier nos offrandes et nous disons demain, Seigneur Jésus. Je prie que tu les reçois, que tu les sanctifies, Seigneur Jésus. Que par cela, Seigneur Jésus, ton œuvre puisse prospérer ici à Montréal et partout ailleurs dans le monde. Nous sommes tous au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous donnez généreusement pour avancer son œuvre. Si vous nous visitez pour la première fois, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas du tout tenu de nous donner ni un dîme ni un offrande. Ce service est un don de notre part pour vous. Alléluia, est-ce qu'on peut battre la main pour le Seigneur?